Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble comment, avec votre iPhone, allumer votre télé qui est ici derrière éteinte et lancer n'importe quelle radio internet, que ce soit RTL2, que ce soit Chérie FM, Sud Radio. Et même si votre télé est éteinte, Siri va être capable de lancer une radio, allumer votre télé. Merci de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre Vision Hightech et de partager comme d'habitude. C'est parti donc pour le tuto, comment gérer avec Siri son iPhone l'allumage de la télé et lancer n'importe quelle radio sur sa télé, donc sur son home cinéma. Alors, on va tout de suite passer à un exemple concret. Je vais lui demander d'écouter RTL2 et tout de suite, Siri va lancer, grâce à mon Chromecast, sur ma télé RTL2. Écoutez RTL2. Assistant. Et RTL2 se lance. Je voudrais écouter Chérie FM. Écoutez Chérie FM. Envoyez des commentaires. Bouton. Alors, pour exécuter ce tuto, il va vous falloir un Chromecast qui sera connecté à votre télé en HDMI. Il vous faudra l'application Assistant Google installée sur votre iPhone. Il vous faudra aussi l'application Tuning Radio. Ce qui est bien dans cette pratique, c'est que lorsque vous allez rentrer à la maison, vous allez voir lancer une radio sur votre télé, qu'elle soit éteinte ou pas, vous allez pouvoir lancer directement votre radio. Et vous allez pouvoir dédier les radios que vous avez envie d'écouter. Donc je vais vous montrer comment faire dans ce tuto. C'est parti donc pour la description à partir de Siri, de votre iPhone, sur votre télé. Alors, tout d'abord, vous allez aller dans Assistant. Assistant. Touchez deux fois l'écran. Bien sûr, vous ouvrez Assistant. Et on peut par exemple lui demander d'écouter. Écouter Radio Monte Carlo sur salon. Voilà, donc comme vous êtes aperçu, dès qu'on demande à notre assistant Google de lancer une radio, il la lance sur notre télé grâce à Tuning Radio, grâce à notre Chromecast qui est branché sur la télé. Et maintenant, on va aller donc dans Réglages, dans Siri et Recherche. Siri Recherche, bouton, sélectionné. Les mots-clés que l'on a demandé à notre assistant Google devraient apparaître assistant et Google, bouton. Dans les raccourcis et recherche de Siri, le mot-clé avec l'assistant Google. Assistant et Google, écoutez Radio Monte Carlo sur salon, bouton. On a donc écouté Radio Monte Carlo sur salon. Je le valide. Annulé, bouton. Il me demande de lui mettre une étiquette vocale. Lancer l'enregistrement, bouton. On lance l'enregistrement. Écoutez Radio Monte Carlo. Expression enregistrée, écoutez Radio Monte Carlo. On le valide par le bouton OK tout en haut à droite. Siri Recherche. Le raccourci est enfin terminé. J'ai maintenant mes raccourcis 6 par rapport au Google Assistant. Siri Assistant, écoutez RTL2. Assistant, écoutez Radio Monte Carlo. Assistant, écoutez RTL2. Assistant, écoutez Chérie FM. Assistant, regardez sur YouTube Salon. Google, regardez Vision Hightech sur YouTube Salon. Et par cette technique, vous pouvez même dédier une vidéo que vous aimez sur YouTube et la lancer directement. On va tout de suite faire les tests avec Siri. La télé est fermée. Si par exemple, je veux regarder sur YouTube Salon. On voit que l'assistant Google se lance. Notre télé va s'allumer. Comme vous pouvez voir, la chaîne Vision Hightech s'est lancée. Maintenant, écoutez RTL2. Restreinte que l'on a en France sur le Google Home. Bouton. Tuning Radio se met en place. Et RTL2 se lance. Assistant. Écoutez Radio Monte Carlo. Alors, je vais prolonger votre question. Et tout ceci à partir de votre iPhone grâce à Siri. On peut même lui dire, dit Siri.
Écoutez Chérie FM. Assistant, envoyez des commentaires. Bouton. Et Chérie FM se lance. Voilà donc comment écouter vos meilleures radios sur votre télé avec un Chromecast, Tuning Radio et votre iPhone grâce à Siri en collaboration avec Google Assistant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Vision High Tech. Salut à tous!